le portrait. Debout, près d'un rideau tombant en replis lourds, la main droite levée au menton et pensive, dans le dos nonchaloir de sa pose expressive, elle rêve, accoudée au fauteuil de velours. Pour qui donc sa pensée, et pour qui donc son rêve, et son sourire calme et pur, si gracieux? Pour qui donc le regard si clair de ses grands yeux, serein comme l'azur d'un beau jour qui se lève? Hélas, ce n'est pas moi que voit son œil profond. Quand l'artiste la fit si suave et si belle, son cœur ne savait pas que je vivais pour elle. Mais moi, j'ai bien souvent mis ma lèvre à son front.